the turn up tonight. She be go come to my up. Oh yeah, we love right. Oh yeah, hold it down tonight. Oh yeah, we love right. Turn it up tonight. Sit down, need to talk to you. I know, been wrong. You're right, no discussion. Baby, let's talk. Coucou tout le monde, je vous retrouve sur ma chaîne pour la vidéo favorite du mois de juillet. Un nouveau nettoyant visage que j'ai intégré dans ma routine, que j'ai commencé début mois de juillet, c'est le nettoyant glycolique fix cleanser de chez Nipus Fab. On tient 2% d'acide glycolique et de l'acide aminé de pomme. C'est nettoyant, c'est une merveille, c'est juste top. Elle nettoie, elle purifie, elle exfolie en douceur, elle vous laisse le grain de peau affiné, le teint unifié, hydrate et apaise. C'est une texture comme ça, gel, assez bizarre. Il suffit vraiment de très peu pour nettoyer tout le visage. J'utilise matin, soir. De temps en temps, je fais une petite pause et j'utilise mon pain de savon à base de miel et de propolis dont je vous ai parlé lors de ma précédente vidéo sur les produits que j'utilise, les produits soins. Ma peau, franchement, je vois une différence depuis quelques semaines. Ce nettoyant est juste super. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous ai parlé de ces lingettes de chez Sienne. C'est une marque vendue chez Lidl. Ces lingettes, c'est mes lingettes démaquillantes du moment. C'est déjà mon deuxième paquet. Il y en a 25 à l'intérieur et vous avez deux différents types de lingettes chez Lidl. Celui que j'ai pris, c'est pour peau normale. Mixte, grasse, c'est mon type de peau, ça nettoie très bien. Un peu plus humide que les lingettes que j'ai pu utiliser précédemment, ça enlève très bien le make-up, voire même le make-up waterproof. Il élimine toutes les impuretés et surtout le sébum, vu que j'ai ce problème-là au niveau de ma zone T, ça nettoie très bien. Les lingettes sont légèrement alvéolées, donc on commence toujours par cette partie-là pour tout enlever. Et il faut deux lingettes pour enlever tout le... Pour tout le make-up, j'aime trop. Et le rapport qualité-prix y est, car il coûte 89 centimes. Et c'est juste parfait. Pour celles qui ont peur de faire des allergies, toujours essayez sur une zone de votre visage. Et si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, vous arrêtez. Mais moi, je suis conquise. C'est mes lingettes du moment. Ces derniers temps, j'ai quelques imperfections, quelques éruptions cutanées en zone ciblée. Hein. Moi, chez moi, c'est toujours en zone ciblée. Donc, un peu là et un peu à ce niveau-là. Et j'ai ressorti mon Saintif Blemish Control. C'est un gommage, en fait, à base de noyau d'abricot et le... Plus pour ce gommage, c'est l'acide salicylique que ça contient. Ça permet de nettoyer, de gommer votre peau tout en soignant vos éruptions, voire votre acné légère. Je l'utilise depuis pas mal d'années. Il est recommandé pour les peaux à problème, les peaux mixtes à grasse, à tendance acnéique. Ce gommage, c'est une tuerie. Donc dès que j'ai des petites éruptions comme ça, je le ressors, je nettoie mon visage avec. Il gomme sans être abrasif. Il a cette petite texture crème comme ça qui hydrate votre peau. Vous laissez la peau propre, lisse. J'aime beaucoup, franchement je le recommande tout le temps. Celui-ci c'est un top 2 chez top des gommages, en fait, surtout quand vous avez une peau à problème. Une fois que j'ai plus d'éruption, plus rien du tout, je reprends avec mes gommages habituels. Un petit masque, c'est un masque de chez Freeman Feeling Beautiful. Vous savez comment j'aime beaucoup cette marque, je l'utilise depuis pas mal d'années, et lors de ma précédente vidéo aussi je vous ai parlé de ce masque. En fait, c'est un masque éclaircissant pour le visage au blé doré. On parle éclaircissant tout de suite, là je vous vois venir là. Oui, elle met le choco. Non, je mets pas le choco. Ce masque, en fait, va juste vous donner un éclat naturel, en fait, au niveau de votre peau, vous donner un coup d'éclat et pas vous
comment dire, vous éclaircir la peau. Parfait pour les peaux déshydratées, ça vous hydrate et vous donne un coup d'éclat grâce à la vitamine C qui est reconnue, voilà, pour éclaircir les zones sombres qu'on a au niveau du visage. C'est juste parfait, donc ça donne un coup d'éclat naturel que j'aime beaucoup. Vous avez le teint lumineux, le grain de peau affiné, c'est un top. Je l'utilise 2 fois par semaine et je l'aime beaucoup. Il est juste trop bien. Vous êtes pas mal sur Snapchat à me dire, voilà, que j'ai les dents blanches. Ben, il n'y a pas de secret, sauf que ces derniers temps j'utilise un duo de chez Oral-B. Vous avez le Whitening Accelerator et le Dentifrice Perfection. Le Whitening Accelerator, c'est un booster, c'est un dentifrice booster qui se mélange à un dentifrice, mais je sais pas si on peut le mélanger à un autre dentifrice, mais moi je le mélange au Perfection. Bah, c'est comme ça que c'était vendu, hein, en duo comme ça, qui donne juste de la blancheur à vos dents, en fait, un coup d'éclat, c'est très lumineux. J'ai l'habitude d'utiliser le Rapid White, et franchement celui-ci, il est top. Au bout d'une semaine, voire deux, vous rendez compte que vous avez les dents qui sont plus blanches qu'avant, et c'est juste top. Le seul hic avec ça, c'est qu'il est un peu plus abrasif, dans le sens où après m'être lavé les dents, j'ai toujours un film qui se forme dans la bouche, en fait. Et au départ je me disais j'ai un souci, mais en fait non, c'est vraiment ça, c'est tellement abrasif. Peut-être pour moi, je sais pas si vous c'est le cas, si vous utilisez ce dentifrice là, mais je me suis rendu compte que c'était ça, c'était vraiment abrasif. Mais voilà, pour après avoir les dents blanches, c'est pas beaucoup donné. Et ce film là voilà, ça, c'est un peu dégueulasse, en fait, à dire comme ça. Il se forme et après, voilà, il suffit juste de l'enlever, c'est bon. Donc ça agresse en fait ma bouche, l'intérieur de ma bouche, en fait. Mais sinon, rien de grave, il est plutôt pas mal. Voilà, pour avoir un sourire éclatant. Ensuite, c'est des chips, ouais. Mon petit snack du moment, c'est de chez Tasty Bun, je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est une marque typiquement américaine, c'est les Crunchy Cheese Curls, en fait c'est des chips au fromage. Moi je kiffe le fromage, donc je mange tout ce qui est à base de fromage, et comme je fais quand même pas mal attention à ce que je mange, donc je me permets un peu voilà, des petits écarts comme ça, et cela, je n'ai fait que faire des écarts avec ça, c'est tellement bon, je kiffe. Je kiffe, c'est vendu chez America Today. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, savent que dès que je vais là, je ressors toujours avec la bouffe. Ils vendent du Made in US et c'est tout les bonbons, les chips, les boissons et tout ça. À petit prix en plus, ça coûte pas vraiment cher. Et voilà, j'ai craqué sur cela et depuis, voilà. C'est mon petit péché mignon. C'est un duo de fond de teint que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps. Vous avez un de chez NARS et un de chez Revlon. Celui de chez NARS, c'est le Sheer Glow en teinte Cadiz. Et de chez Revlon, bah évidemment, c'est le Color Stay en teinte 400 caramel que je mélange pour obtenir ma carnation. Le Sheer Glow m'apporte de la luminosité et de l'éclat au niveau de mon teint. Et évidemment, le Color Stay m'apporte de la matité, car c'est un fond de teint recommandé pour les peaux grâce à mixte. Ça fait des années que je vous parle de ça. C'est juste top. En été, j'ai tendance à l'utiliser tout seul et le reste de l'année, je le mélange. Mais cette fois-ci, combo parfait, duo parfait, luminosité et matité pour avoir ce teint parfait, quasi parfait et lumineux. Vous êtes pas mal à me dire sur Snapchat, t'as un super teint. Ben voilà, c'est grâce à ces deux-là. Et j'aime beaucoup mélanger mes fonds de teint pour obtenir, voilà, la bonne carnation, la bonne texture, la petite touche là et tout. Et ces deux-là, c'est un réel coup de cœur. Tout seul comme ça, j'ai tendance à surbriller au bout de quelques heures. Et avec le combo des deux, je vais maquiller le matin, je vais surbriller qu'en fin de journée, il est déjà 7-8 heures, et légèrement au niveau des ailes du nez, et pas de la surbrillance exagérée que j'ai par exemple quand j'utilise tout seul. Donc c'est juste parfait, un super 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 combo. Pour les yeux, c'est deux fards de chez MAC. Vous avez le Saddle, le fameux Saddle que malheureusement on ne trouve plus ici en Europe. Je l'ai commandé sur le site MAC US et j'ai reçu mon Saddle et je n'arrête pas de le porter. Ce fard, c'est un super fard de transition, un genre de marron chaud comme ça qui est parfait pour la couleur de transition. Je voyais ça sur les youtubeuses américaines, je me suis dit moi le Saddle il me le faut, et depuis je ne porte que ça en couleur de transition. C'est mon fard du moment, je n'arrête pas, il est juste trop beau. Pour apporter une petite touche de chaleur et de couleur, il y a le Rouge qui est juste trop bien, un genre de brun orangé comme ça qui est absolument magnifique. En couleur de transition aussi, il est parfait. Le mélange des deux en couleur de transition, c'est juste... Et j'aime beaucoup les résultats que j'ai au niveau des yeux, c'est ce que je porte en plus aujourd'hui. Juste trop bien, et les fards de chez MAC, je les aime trop, ils sont juste trop bien. Et ceux-là, c'est vraiment the must have.
Absolument. Pour l'élève, il y a le Slay de chez BH Cosmetics en collaboration avec Miss Eileen. Il y avait déjà quatre teintes, je crois, auparavant. Et celui-ci, je crois, c'est le cinquième. Slay. When you put Slay on your lips, you definitely slay all day. Il est juste trop bien. De Bordeaux, aubergine foncée, la tenue est juste géniale. Il est juste trop beau. Et quand j'ai été voir Beyoncé, c'est ce que j'ai porté. Et le nom est juste terrible. À Slay avec ça. Celui que je porte là maintenant, c'est un rouge à lèvres de chez Daily Plus. C'est une marque voilà, que j'ai acheté au supermercado en Espagne. Ils sont plutôt pas mal ceux-là. C'est l'édition matte en fait. C'est le numéro 7, un genre de brun orangé. Parfait, c'est ce genre de ton que j'aime beaucoup porter, les tons terracotta comme ça. Il est très beau, il est mat, il n'est pas très asséchant. Quand on l'applique, il a une texture crème et voilà, il s'assèche sans assécher les lèvres. Il est vraiment très bien, on ne le sent pas, il est très beau et voilà. Voilà quoi, voilà. Moi, je kiffe. Une petite découverte vraiment petite et à petit prix, c'est les lip liners de chez Primark. Je me suis dit que j'allais tester parce qu'une de mes collègues, Anita, et elle avait un super rouge comme ça. Alors je lui dis, mais c'est quoi ton rouge à lèvres? Elle me dit, mais non, c'est un crayon que j'ai acheté chez Primark et tout. Mais voilà, ça se voyait que la tenue, la pigmentation était là. Je me suis dit, non, je vais aller voir. Bon, vu que j'avais envie de nude, que j'avais plus de crayon nude, voire brun, alors je me suis dit, pourquoi pas. Et franchement, il est très bien. Il coûte 1,50€. C'est le numéro 10. C'est un super nude. Et je le mélange à tous mes nudes, en fait. Je fais mon contour avec et... pour un petit prix, il est vraiment parfait. Et comme j'aime beaucoup le dire, le rapport qualité-prix, il y est. Il est top de chez top. Et un petit highlighter, ouais, petit, il n'est pas aussi petit que ça. C'est les Vivid Baker Bronzer de chez Makeup Revolution. Et celui-ci, c'est le Rock'n'World. Il est juste trop beau. C'est le genre d'highlighter que je kiffe pour celles qui me connaissent depuis X temps. Moi, c'est les highlighters bronze, gold que j'aime beaucoup. Et celui-ci... regardez-moi ça, il est juste trop beau, regardez-moi ça, vraiment parfait, lumineux, bronze, sans faire trop, il est juste trop beau, la pigmentation aussi est plutôt pas mal, et il coûte pas cher non plus, donc un très bon highlighter. Pour la petite touche fashion, c'est ces boucles dorées de chez Zara, ces pendants de chez Zara qui sont juste trop beau, il a ce côté voilà ethnique, bohème, chic que j'aime beaucoup. Et regardez-moi, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Il est juste trop beau. J'aime beaucoup le petit anneau comme ça. Et voilà, je vais vous faire une vidéo haul solde parce que je les ai eu en solde pour vous montrer. Voilà, juste ils sont juste trop beaux. Ça, cette petite touche comme ça que j'aime beaucoup. Ça me correspond. Ça, c'est vraiment moi là. En plus, vous voyez pas comment ça match là? Avec ma tenue, ma mélanine et tout. Ouais, juste trop beau. Pour finir, un pinceau, c'est les pinceaux de chez Real Techniques. Hein. Vous savez, moi, les sœurs Chapman, avec ce qu'elles font, je suis juste conquise hein, depuis qu'elles ont commencé. Et celui-ci, ça fait partie d'un kit comme ça, je ne sais plus lequel. C'est le Sculpting Brush que j'utilise pour faire mon teint. Il est trop bien. Il est en angle, donc c'est parfait pour prendre vraiment ici les zones de l'œil, ici près du nez. Facile à utiliser, il n'est pas très lourd. Au niveau de la prise en main, il est plutôt très bien. Même si on étale le produit, il étale très bien. Même si voilà, on tapote, dep, c'est aussi tout aussi bien. Ouais, c'est fini naturel que j'aime beaucoup sans faire effet masque et tout. Il prend pas beaucoup de produits, j'aime beaucoup, les poils sont denses, ils sont courts, sont denses et doux en même temps, et l'application est juste géniale pour un super fini. Et ce fini là, je le kiffe depuis un certain temps, donc voilà, quand il est sale, bon, désolé, il est sale parce que voilà, c'est mon pinceau du moment, j'arrête pas de l'utiliser. Voilà, la vidéo favorite du mois de juillet est arrivée à sa fin. Dites-moi en commentaire quels a été vos favoris du mois. Et si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de la partager, voire de vous abonner si ce n'est pas déjà chose de faite. Et je vous remercie aussi d'être aussi nombreux sur ma chaîne. J'étais là, je fais oh, quand même. Ça fait plaisir. Ben, pour celles qui sont là depuis X temps, ben, je vous remercie et welcome à tous les nouveaux. Voilà, ça fait juste plaisir. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir suivi en attendant pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et restez belles. Ciao ciao.